Sénat, Joseph Lambert, annoncé déjà écrit plusieurs parlements dans le monde là, là le Parlement européen, et puis présidente Chambre représentant, Nancy Pelosi, et sous existence dernier tiers Sénat, nous connaissons que, en plus, le monde ne connaît pas grand qui n'est du tout qui existait dans le Parlement. Selon Joseph Lambert, avant longtemps, d'après ça, l'annonce, il n'a pas pu rencontrer ni président de la Chambre représentant, ni président, nouveau président américain, Joe Biden. C'est lui-même qui a annoncé. Donc, président tiers Sénat, Joseph Lambert, fait déclaration ça, après le fin recevoir jeudi, ambassadeur canadien, et Stuart Savage. Joseph Lambert, te gars cliqué de l'Augustin, qui a joué rôle vice-président dernier tiers Sénat, tirestement. Selon sénateur Lambert, Papa Tounet, le contact diplomate canadien, entré dans le cadre, d'après ça le dit, Boukanta l'idée, bureau l'a dirigé à fait, avec acteurs locaux, ensemble avec international qui représentait en Haïti et même au-delà, si nous bien comprenons, concernant la crise, un pays d'Haïti, l'autre fois encore fait face à lui. Sénateur Sud-Est l'en fait connaître, il était abordé avec un diplomate canadien, dossier changement constitution, nous connaissons Jovenel Moïse, embarqué et tête de la donne avec un monde qui a pas pu y aller, et puis parler tout de débat et qui a pas fait rage là dans le pays, sous question date 7 février, et qui c'est limite et constitutionnel pour voir Jovenel Moïse, non? Avec nécessité, d'après ça dit, pour un dialogue entre tout acteur qui doit déboucher selon lui-même sur un accord politique. N'attendez, sénateur Joseph Lambert, qui n'en rôle président dernier tiers Sénat, pavlé et pour occuper pour ça de façon anodine. N'attendez, non micro, Vilner Joseph. Le directeur général de la police, au commandement de la police, pour nous rencontrer avec Koudek, pour nous connaître ce qui a passé dans l'État et pour nous connaître qui dispositif nous-mêmes tout en tant que sénateur de la République pour nous mettre en place, garder ensemble ça que nous sommes capables. Parce que ça qui est dénominateur commun pour nous, c'est Haïti. Mais ça qui mette nous là pour travailler pour nous, c'est le peuple haïtien. Nous rencontrer tout nos amis de l'international. Il y a des amis que nous rencontrons en privé, tout comme nous avons rencontré des amis tout. Ici, à, dans le Sénat République. Le Sénat est plongé dans une sorte d'amorphie pendant un bon bout. Et le nouveau bureau a tenu à rappeler que le Sénat, son pouvoir pas entier, un pouvoir qui est égal avec le pouvoir exécutif, là, dans la limite que la Constitution a, bah, nous. Et nous rencontrer avec déjà des gens de l'OEA, pour nous rencontrer avec des gens de la Banque mondiale, dans BID, nous rencontrer avec les Nations Unies, nous avons pris l'échange avec nos collègues partenaires du Parlement européen, parler avec collègues nous autour au Canada. Nous avons des correspondances que nous voyons dans tout le Parlement qui vient par l'Amérique, UP et autres, etc. Nous sommes déjà en contact avec quelques 198 parlements à travers le monde. Nous avons établi force Sénat au niveau international et en même temps nous avons renforcé l'autorité Sénat au niveau national. Nous gagnons des correspondances que nous avons avec Nancy Pelosi, accusé réception par email, échangé. Et nous gagnons sous peu pour nous rencontrer avec Nancy Pelosi et en même temps le président du Sénat américain. Nous travaillons d'arrache-pied. Et aujourd'hui, nous rencontrer avec l'ambassadeur canadien en Haïti. Moi-même, avec collègue vice-président, sénateur Kedler, j'ai parlé de situation pays, crise pays, la gestion post 7 février. Salier, j'ai parlé avec les taux de nécessité pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections, mais à travers des institutions légitimes, pas ce conseil électoral, je dirais fantoche, mal fabriqué, qui n'est pas assermenté devant la Cour cassation. Nous parlons tout de questions constitution, projet constitution. Nous échangeons point de vue, non. Nous parlons tout de dialogue. Rien où ça va, pour ambiguïté sérieuse, sur question article 134.1, 134.2, qui fait problème et qui sont dilemmes, et je veux dire, c'est à travers le dialogue que nous sommes capables d'essayer, garder qui j'en sont capables, rapprocher les pôles contraires, rapprocher les tendances contraires, et faire de telle sorte que l'on parvienne à un accord politique dans l'intérêt de chaque Haïtien, dans l'intérêt d'Haïti en général. Parce que le dénominateur commun, c'est Haïti. Nous parlons tout de rapports que nous-mêmes avec eux, que nous devons gagner, appui, que supposé par le Sénat et le pays. Nous parlons de questions sécuritaires. Parler de tout ensemble de l'autre bagage. Nous en plein, nous avons l'idée projet dialogue, nous avons gardé ensemble à chaque fois avec le bureau pour nous voir qui j'en vois aller avec lui, faisabilité, si le bout a fixé, si tout bien est faisable, mais en attendant, on a fait des consultations
auprès de Mounio, la CAIO, avec yo, différents groupes, parce que, en fait, le Sénat, en tant qu'institution, capable de parler avec tout le monde. D'ailleurs, en pile dans le monde que nous avons parlé, c'est des mondes qui sont habitués ici à tout, c'est des sénateurs, c'est des chefs de parti, qui ont possibilité de parler avec le privé. Voilà, donc, c'est le président dernier tiers Sénat, Joseph Lambert, dans le micro Villeneuve Joseph. Bon, quoi, nous déjà. Tout sénateur Lambert Courrier, c'est pas avec président Biden ni par le contraire, mais c'est avec président de Chambre, d'après ça le dit, et président Pelosi, et Chambre représentant, et puis président Sénat, qui c'est tout yon et démocrate. Gagné coordonnateur national Haïti en action, sénateur Youri La Tortue, qui dit féliciter population Rabotoa, donc conférence pour la presse. Et li bay journée jodi a ak dirigeant secteur démocratique là et li dit ki te bay exemple n'ap cité ki te fait résistance hier lundi a ak la police nan moment yo te tenté entrer pour te vin intimider militant yo d'après ça le dit à la tête a ki t'a parlé comme ça dans conférence pour la presse secteur démocratique là t'a bay journée jodi a dans local li chita dans Delma 60 mandé pour autorité la police yo et ressaisi yo parce que l'histoire diverses interventions militaires et policières qui faites dans quartier Rabotoa montrer ces autorités qui à la tête opération qui toujours rendent compte devant l'histoire d'après ça le dit toujours dans même déclaration dirigeant politique là annoncé mobilisation pas camper dans Rabotoa pendant dénoncer phénomène kidnapping là les qualifier comme un kidnapping d'état de considérer date 7 février qui arrive là et qui s'est fait mandat constitutionnel Jovenel Moïse et si Jovenel Moïse n'a pas quitté le pouvoir l'a totalement illégal et illégitime d'après ça le fait connaître. N'a attendu dans conférence pour après ça côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. T'a félicité population Rabotoa qui était un exemple. Yo pas même t'est arrivé dans zone Rabotoa vraiment puisque toute population était campée et bien yo t'est lagué wash dans route là. Yo t'est campé yo t'est dit la police tirer yo. Yo t'est lock route là. Et je te dis la police tire yo parce que yo pas changé faut Jovenel Moïse aller et c'est le ça Chao est obligé faire bac population camper et c'est connier mobilisation pour commencer Raboto mobilisation pour continuer Gonaïve n'a simplement dit à responsable la police yo dans Gonaïve moi connais yo tout même m'a dit yo Raboto en 93 mandé sa capitaine Kasra Senafis te comment te soutenir dans Raboto là que te rentré. Est-ce que chef qui t'a voyé lui au Tekembel? Non. En 2002, monde qui t'a descendu à Raboto. Est-ce que chef qui t'a voyé lui au campé derrière? Non. Il était là guerre pour contre. Et il était retrouvé devant tribunal. Je dis à Nabdi Ofan, pile attention. Dans la police là, il écrit pas jamais exécuter un ordre manifestement illégal. Il a du temps pour policiers ressaisir et mettre la population marcher avec population avec fusil, mettre fleurs dans fusil, marcher à population pour faire respecter date 7 février 2021. C'est comme ça. N'a poté et comité mobilisation, secteur démocratique, toute organisation qui l'a. Poté solidarité à Moun Raboto, à Moun Gonaïve qui va continuer mobilisation et qui va amplifier mobilisation. En janvier 2020, Jovenel Moïse, hier, yeah, n'a parlé qu'il t'a fait. Li dit, li te constaté kidnapping. Nous, en janvier 2021, après un an, ça veut dire que Jovenel Moïse, j'en ai dit, ou incapable, ou incompétent, ou impuissant, ou irresponsable. Je dis, ou lancer message pendant 10 fois à CSPN, à chef police, à gouvernement, ou dit, oh, c'est pour résoudre la question kidnapping. Ou qu'on est pas capable, ou pas fait. Et ou même, ou qu'un kidnapping d'état ça même si moun qui saute l'école cap mobilisé yo di son kidnapping d'état donc ça veut dire que jodi a le 7 février pour arriver gen deux y kap ajouté c'est illégal illégitime. Voilà c'est dirigeant à sénateur Youri La Tortue dans conférence pour la presse dans intervention porte-parole secteur démocratique et populaire maître André Michel fait dans circonstance non dit ont déjà écrit diverses organisations qui a défendu droit monde pour partir 31 et janvier qui a venir là pour observation qui fait il parler de étrangers qui doivent venir dans pays à pour suivre déroulement dernière phase bataille là d'après ça le dit porte-parole secteur démocratique et populaire te profiter tout mette dehors calendrier mobilisation dans plusieurs villes dans pays à partir de 29 janvier qui a venu là mettre André Michel encourager population
pas hésiter, servir à n'importe sale gagnant, n'a cité pour mettre barricade devant la caillou parce que d'après ça le dit, la loi pas prévoit sanction pour moun qui a demandé respecter constitution qui c'est maman loi pays. N'a attendé maître André Michel dans conférence pour la presse à côté Hervé Noël était présent pour être Kiskeya. Nous déjà prenons disposition pour nous écrire des organisations de droits humains pour que d'ici 31 janvier 2021, nous gagnons des observateurs étrangers qui présents dans Port-au-Prince, tant qu'on est en ville provinciale, pour suivre le déroulement de la dernière phase de la mobilisation populaire. C'est des monde qui a bien équipé. Il y a là, monde pas connu si yo là, caméra yo ap nan men yo. Et c'est monde ça yo qui pral aider nous. Prend image policier qui a lancé gaz lacrymogène. Prend image policier qui a tiré sur population pendant y a exercé droit démocratique. Nous déjà bon correspondance, nous pral voyer bay POHDH qui c'est la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains. Nous bon correspondance qui déjà a joint Nero qui sont organisations basées à Boston, pour que effectivement, d'ici 31 janvier 2021, nous avons un bataillon d'observateurs internationaux qui présent en Haïti, dans Port-au-Prince, tant qu'au dans la ville provinciale, pour suivre, pour observer le déroulement de la dernière phase mobilisation populaire. Et nous demandons, tout citoyen, nous demandons toute ville, tout département, toute organisation pour prendre responsabilité. Et pas oublier, moi te dis déjà, dans la dernière conférence de presse qui était faite ici dans le local secteur démocratique, là, lors d'une situation de légitime défense, lors d'une situation face au pouvoir, on est qui président, qui a un mandat qui finit, qui décide de l'apkembe pouvoir, au-delà de la fin de son mandat constitutionnel, peuple là, citoyen yo, citoyen yo, yo gen doit utiliser tout ça yo capable, tout ça yo gen comme moyen pour faire respecter la constitution. Et dans ce sens ça, on est qui mette barricade qui bloque en route ou pas commettre une infraction. N'importe ce fait ou non logique de combat pour le respect de la constitution. Conférence pour la presse secteur démocratique là, c'était maître André Michel. On sait sénateur Ricard Pierre, dans la même conférence pour la presse, a lancé un appel par la société civile là, pour renforcer la mobilisation, de citer divers secteurs et dans la société. Côté de Mandeo pour poter coller à Kyo, tant que la presse, université, syndicats, leaders religieux, même la police, avocats et tout le monde. Voyez délégué dans le comité citoyen pour respect constitution et ça demandé d'après ancien parlementaire initiative mettre tête ensemble ça à permettre mobilisation pour faire respecter constitution et permettre et rassembler force sociale pour joindre résultat société à chercher ancien parlementaire et qui était représenté sud-est dans le parlement fait diverses considérations sur insécurité à kidnapping dans cap fini à pays. Assassinat et qui laïté dans le pays sans que pas gagne autorité aux jambes faire et qui c'est la cause que et tout un secteur journée aujourd'hui à devant dérive ça yo faut que mette tête ensemble pour yo capable stopper hémorragie d'après ça le dit. N'attendez sénateur Ricard Pierre toujours dans conférence pour la presse à côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Hier soir dans Delma 40B ou malheureuse à toute Marie qui font vieux dépôt cap prend bagaille pour te l'autre bon vin là pour moun yo vin dit yo volé environ 13 moun on compte gens 13 moun machine plaque service l'état yo dit zoreken en ben moun yo crier yo dit mettre toute bagaille quitter monsieur ak tout malade monsieur a yo prendre à la velle c'est yo kidnappé en plus mais moun soit crier pourquoi yo moun Delma 40B bloqué tout l'autre yo libre nous là matin. Pour nous dire, c'est pour nous tourner notre tradition. Zancet nous pour aller chercher zam bataille là. Yo dit nous pisser gaier pas qui mais moment arrivé pour nous tout fond seul pour nous faire goumer. Au niveau de l'opposition, nous créer une plateforme. Nous relé le comité pour respect constitution. Nous te carré le plateforme citoyen. Plateforme ça pas limité seulement à politique. Nous besoin ouais élève l'école yo cap délégué mon dans plateforme ça. Pour une chita planifiée à toute mobilisation.
Nous besoin de journalistes qui vont déléguer dans la plateforme ça pour planifier l'activité de mobilisation. Nous avons tant de professionnels, de policiers, nous avons tant de plateformes ça. Nous avons tant de pères, de pasteurs, de gens, de avocats. Tous les corps de professionnels délégués ou dans la plateforme, ce n'est pas pour nous lier, ce n'est pas outils pas nous, ce sont des outils citoyens. Nous mettons campés pour nous faire des actions qui sont capables de faire des résultats, nous chercher. Il est le temps pour nous suspendre, pisser, pourquoi nous, pour ne pas faire qu'il. Donc nous-mêmes, nous baillons le ton au niveau de l'opposition. Et nous attendons tous les partis politiques de l'opposition qui disent en bataille, un pour vous revenir l'aller. Deux pour craser le régime PHTK, trois pour démotiver le système crasé, brisé, système d'exploitation, ça pas compact. Donc nous lançons appel là. N'attendons nous, camarades journalistes, n'attendons élèves, n'attendons tout est religieux, n'attendons journalistes, n'attendons professionnels en général à l'intérieur de cette grande plateforme que nous avons le comité pour respect constitution. Voilà, sénateur Ricard Pierre, et puis dans la même conférence, tu as un dirigeant Combi, l'organisation politique et syndicale de professeur Joseph Mérilien, qui te prend la parole dans le cadre de journée jeudi, qui c'est journée mondiale éducation. Il parlait de plusieurs activités qui ont déroulé dans l'école normale supérieure, à la tête Combi, non. Joseph Mérilien te profité de pinga tout, toute machine grève qui pensait yo capable vendre grève 1er à 2 février qui a venu là syndicat a annoncé bon côté parle porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïti Ronnie Timothée saluer position sénateur Yuri La Tortue et sénateur Nenel Kassi il dit qu'il voyait j'étais bien loin proposition Jovenel Moïse qui demandait pour réintégrer dans le Sénat, ou bien comme ça, bien sûr, ça m'a plu, et puis prendre disposition pour dédommager. Alors, il m'a demandé pour réintégrer dans le Sénat. Donc, dirigeant Vive Haïtien, rapporté deux sénateurs, ça n'a pas accepté proposition, mais ils ont réaffirmé volonté pour continuer à mobiliser contre Jovenel Moïse. Alors, c'est un peu de après l'autre pour plus de précision. Dirigeant Combitnon, qui c'est José Méridien, et avec porte-parole Vive Haïtien, Ronnie Timothée, toujours. Dans la même conférence pour la presse. Quelle célébration Journée mondiale éducation, il y a un comité de mobilisation qui a organisé dans l'école supérieure avec l'étudiant école Balio un programme spécial. Il y a une exposition photo de toutes les victimes et un débat qui a fait à 2h après un coup de culturel avec des artistes engagés de coup qui sont basés par la mort. Donc tout le monde est invité. À 2h dans le débat et à depuis qu'il y a là jusqu'à 5h les questions exposition. Donc, mobilisation générale, pas seulement cette éducation, mais tout secteur. Tout grève là. On dit grève là, pas grève syndicat, c'est grève toute population. Hein, et nous dit attention à toute machine de grève. Machine de grève, yo, pas bien marché dans ça. Nous connaissons que Jovenel, Jout, à part un pile cob pour acheter grève. Mais ça, c'est grève peuple là, pas gagner machin grève, qui a gagné, on a dit, on m'a dit, on m'a tout le général, c'est mobilisé pour que ça réussisse. Jovenel Montaigne, président gang, voyez, un hémisphère côté de M. Sayo, pour parler avec vous, comme quoi que, il y a réintégré dans le Sénat, il y a dédommagé vous, et il y a fait reste mandat comme sénateur. C'est avec quel content, moi, apprendre, sénateur Yuri, sénateur Nenel, voyez, proposition ça a jeté, dit nous-mêmes, c'est notre déchoucaille que nous y est. Yes. Et maintenant là, moi viens dire chaque grand nègre commence à comprendre dans quelle situation que nous y est. Des bons nègres mettent dans grand goût, li mettent dans chômage, li mettent dans la vie chère, li mettent dans insécurité, li lago non cause kidnapping, li faut pas qu'à marcher ou qu'on grand bagaille pour faire, prendre responsabilité pour défendre tête tout parce que on pays pas qu'à vivre comme ça. Ou pas faire ça que les légitimes défenses pour défendre tête tout contre vagabond qui mettent dans grand goût, dans misère, dans chômage, dans la richesse, dans insécurité. Concernant la mobilisation que vous avez fait là, où est tout le monde, même temps des bandits ont dit nous comme ça, puis il y a à lock. Ça veut dire depuis le pays, il y a pas lock, moun ka marché, yo jouen moun pour kidnapper dans la rue. Ça veut dire nous-mêmes, où est tout le monde qui a fait là dans la rue, dégagez nous, cherchez roche, cherchez bout de fer, cherchez bout de bois, cherchez vos machines, mettez dans la rue. Voilà, c'était Ronnie Timothée. Donc, c'est une déclaration. Il dit c'est des émissaires qui t'avaient dit ça dans le nom président Jovenel Moïse concernant deux sénateurs. Ça, nous connaissons qui empêchait. Il était bloqué mandat. Et sénateur Nenel Kassi et sénateur Yuri La Tortue qui n'ont même pas fait déclaration sur aspect ça. Ronnie Timothée se soulevait là.
Donc, avant ça, dirigeant Combitlan, qui c'est professeur Josué Méridien. Il y a plusieurs responsables politiques qui étaient présents, et un coup, ancien sénateur John Joel Joseph, ancien député Ilric Saint-Cyr, ancien magistrat Kafoua Yvon Jérôme, Daryl Balthazar, professeur Jean Timani, syndicaliste Josué Méridien Sotende, et René Monplaisir, Claudie Sidney, Petro Challenger Réginald Dumé, Maître Axène Joseph, pour ne citer non ça yo seulement.